Hervé, oui. Vous voulez fumer un petit cigare là? Je fumerais bien cigare, mais on n'a pas le droit de fumer dans une salle comme ouais. celle-là. Et puis en plus, je fume de moins en moins. C'est quoi vos fringues là? Ça vient de chez qui? Mes fringues, écoutez, j'ai acheté cette veste spécialement pour venir ce soir. Ah non! Je sais pas ce que c'est. Chez qui? Bah, je vais donner la marque. Chez un type boulevard Saint-Michel. Ah, c'est Smalto, oui. Smalto, oui, ben voilà, ça tombe bien. Pas de marque à l'antenne. Hein. Les pompes, c'est des Weston? Oui. Hein? Des Weston pas de marque à l'antenne. Achetées il y a une dizaine d'années. Oui, mais elles sont toujours bien. Hein. Oui, oui, mais je ne les mets pas souvent. Hein? Vous roulez en quoi, Hervé, comme voiture? J'ai plus de voiture. Ah oui? Non, parce que je vais vous dire une chose. Pendant 20 ans, entre 80 et 2001, hein? J'étais président. Hein? RFI, TF1, France hein? Télévisions, hein? La Sofirade, Radio Monte Carlo, Radio Nostalgie, bon, etc. Et chauffeur avec voiture. Oui. Alors j'ai pris quelques kilos, je me suis moins bien porté. Et puis depuis, je prends le métro et ah je oui. marche. Le métro dans la journée, en dehors des heures de pointe, c'est formidable. Et puis l'autobus, ah oui. ben, on redécouvre Paris. Hein. Les Mercedes, ça déchire. Les Merco. Mais écoutez, non, parce que je n'ai jamais pris de Mercedes. Et ah bon. Les seules voitures que j'ai eues, c'est quand j'étais président de chaîne. Ça devait ouais. être une Safrane ou une Safrane Renault. Et une Peugeot, voilà. Ah oui, il ne faut pas faire, il ne faut pas le dire. Bon. Mais si, ah, attendez, voilà, on est avec vous, il ne peut rien ouais. nous arriver. Voilà. Votre portable, mais chacun sait quand même que dans le service public, c'est des voitures françaises. Oui. C'est voilà. un quoi, votre portable, président? Oh, attendez, alors j'en sais rien, mon portable. La marque. Ah non, je n'ai pas le droit de le dire. Je ne le dirai pas, voilà. Ne me prenez pas au dépourvu. Mais je ne continuerai pas. Ah bon. C'est un bon portable solide qui cote... C'est pas le dernier Motorola, c'est pas le dernier Motorola, quand tout. Même. Ah non, c'est un Nokia, ça, non? C'est un Nokia, non, moi, Motorola. Vous êtes... C'est amusant, vous êtes en train de citer de bonnes marques. Oui. Et puis quand on a ceci, deux, étant, ceci étant, il oui. y a trois jours, c'est ce qui m'est arrivé. Oui. Ça vous intéresse pas, l'estompe. Si, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pris le bus. C'est pas vrai. Il y avait beaucoup de monde. Non. Je me suis senti serré. Et puis en sortant, je me suis rendu compte que j'avais plus mon portable. Voilà, bon, ben... Bah. Alors j'ai téléphoné aussitôt pour bloquer un le truc. Mais c'était un bon portable. Vous avez téléphoné aussitôt avec quoi? J'ai téléphoné d'une cabine. Ah, une cabine. Voilà. Hervé. Oui. On se roule un petit pétard là? Non, parce que j'en ai... Attendez, j'ai jamais... Et c'est simplement parce que j'en ai pas envie, j'ai jamais fumé de pétard. Ouais. Ceci étant, j'aurais très bien pu en fumer et puis vous alors, dire... Ben, ce soir, on commence. Et voilà. Surtout que vous avez été souvent en Afrique quand même. Hein. J'y vais tout le temps, je reviens de Dakar là. Ah oui. Hein, oui, oui. Je vais vous dire une chose, Thierry. J'aime pas quoi, quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme. Hervé Bourges sur la télé, mais c'est la vérité. Eh, je vais vous dire, on a passé des bons moments avec vous, vraiment. Et vous nous avez laissé nous exprimer comme on voulait. Merci. Bah écoutez, c'est normal. Vive. Vive la liberté d'expression, et pourvu que ça dure. Et c'est pour ça que je suis sur France 2 depuis 20 ans aussi. Ah ben j'en suis très heureux. Bien.